Couster avec la voiture numéro 13, pardon. Allez, Sylvain Floch, une sortie de grille. Et le tour va avoir lieu. Jimmy Dutrajet va essayer de revenir sur Sylvain Floch. C'est certain. Nicolas Graal en troisième position. Julien Caron en cinquième position avec la voiture numéro 168. Il attaque immédiatement. Julien Caron, il attaque immédiatement à l'intérieur. Pour prendre la quatrième place. Il y a également la présence de Didier Chauvet avec la voiture 77. Monsieur Couster, c'est terminé pour la voiture numéro 31. Elle est immobilisée à l'extérieur du dernier virage avant de rentrer dans la ligne droite. Va-t-il être capable de revenir? Jimmy Dutrajet, va-t-il être capable de revenir? La voiture 161. Anthony Pichon est également là dans cette finale des 2 litres. Une, deux, trois, quatre, cinq, c'est la sixième place hein, pour Anthony Pichon. Et attention, l'écart s'est réduit. L'écart s'est réduit. Entre Jimmy Dutrajet et Sylvain Floch, l'écart était d'une... Allez, une quarantaine de mètres après le départ, alors que Didier Chauvet vient d'attaquer avec la voiture numéro 177, 77 dans la ligne droite. On revient sur la tête de course. Jimmy Dutrajet revient. Jimmy Dutrajet est en train de revenir. Va-t-on avoir cette bagarre annoncée sur le papier, le chassé croisé éventuellement? Les points à prendre, en tout cas ne pas lâcher. Pour Jimmy Dutrajet, attention là, au détour de cette voiture attardée. Ouais, c'est l'autre qui va les voilà, qui s'écarte bien, en tout cas, qui laisse passer à l'intérieur. Et qui n'a pas dérangé la tête de course. On a l'impression que Jimmy, il a l'air dominé là, cette fois-ci par Sylvain Floch. Sylvain qui a tout fait pour remonter sa voiture privée. C'est un gros souci mécanique, hein, l'embrayage, etc. Tout avait craqué, en tout cas, mécaniquement. Il a tout remonté pour être prêt aujourd'hui. C'est une satisfaction de voir que Sylvain Floch a remonté pour vous aujourd'hui ici à Tréguenus et qui est venu chercher les...